Les spectateurs internautes, bonjour, bonsoir, dépendamment du côté où vous suivez nous, émission ça, émission, mais son production, son séminaire, son échange, c'est lui qui rentre la caillou. Josia, nous venons dans nos associations haïtiennes des médias en ligne, AHML, association ça vini dans le pays d'Haïti depuis 2016, qui regroupait plus d'une vingtaine, pour journée Josia, de médias en ligne dans le pays d'Haïti avec notre diaspora. Nous, dans AHML, apprenons presse en ligne responsable. Moi-même, c'est Godson Lubouin qui, ensemble avec vous, vous menez débat qui va gagner, causerie, échange qui va gagner, je dis, sous question la presse, sous question journalisme d'investigation en temps de crise. Nous, dans une période de crise sanitaire provoquée par la propagation de la pandémie du coronavirus dans le monde, Haïti touche tout, mais les amis la pression, nous gagnons pour nous garder ensemble avec l'autre collègue qui va venir sur le plateau ça ensemble avec nous, puis comment et nous capables de faire investigation dans la question et pandémie et dans la question crise globalement que le monde a traversé dans tout pays. Et nous comptons pour nous ensemble avec vous, journée jodia, et AHMS, et comme nous disons, association haïtienne des médias en ligne, qui a prôné une presse en ligne responsable, qui a prôné une campagne de désinformation, qui a prôné contre désinformation, contre fake news, contre nouvelles qui n'ont pas de fondement qui a passé sur Internet là. Donc, il y a une vingtaine d'organisations, d'agences de presse qui ont même décidé pour mener combat ça et regrouper dans l'association haïtienne des médias en ligne. Pour rejoindre l'association, c'est sous ahmlhaiti.org, c'est site et organisation. Hein? Et puis, association haïtienne des médias en ligne sous Facebook, sous Twitter ahmlhaiti, Instagram ahmlhaiti, et puis YouTube ahml, c'est un média qui constitue. Mais nous connaissons dans médias SAO, dans saluer Média L'Évangile, qui est un média membre de la AHML, Enquête Action. Analyse acheté Mag Haïti et Radio Top Haïti et Voix Femme Haïti, Le Quotidien News, Info News, Info News, et puis nous gagnons au niveau de AHML, en plus l'autre média, et au fur et à mesure, échange dans Jodia, NAP, et présente aux médias membres de l'Association haïtienne des médias en ligne qui propose au Jodia échange ça sur le journalisme d'investigation en temps de crise. Pour nous jauger, pour nous garder situation ça, NAP gagne ensemble avec nous Milo Milfort. Milo Milfort, c'est membre de Yonna Media qui affilié avec l'association haïtienne des médias en ligne. Milo Milfort, c'est un journaliste collègue qui déjà primé plus d'une fois dans question enquête journalistique, et c'est à juste titre que c'est un monde qui a bien pour intervenir jodia dans émission ça, dans échange ça, dans webinaire ça. Dans deuxième niveau, on a gagné professeur Jane Wigan. Et Jane Wigan, c'est un professeur à l'université, c'est une américaine, mais qui travaille dans le domaine de la presse, plus d'une vingtaine d'années d'expérience dans la presse, mais et depuis quelques temps, qui a fait des enquêtes, qui a formé des journalistes dans enquête, dans investigation. Donc, nous connaissons un plaisir, et pour ou même, ou prend écoute, et internet, sous internet là, ou bien sous télévision, pour suivre émission ça, pour suivre échange ça, pour suivre cause ça, sur le journalisme d'investigation, en temps de crise. Moi-même, c'est Godson Lubois, m'a retourné tout à l'heure pour nous présenter et Milo Milfort qui est ensemble avec nous et qui va commencer à échanger ensemble avec nous. Citoyens, citoyennes, on a virus à faire ravage dans un pile l'autre pays. En Haïti, on doit la lancer. C'est pareil pour une parine pour virus la pas rentrer. Même si nous devons prendre 6 ans de qualité à rentrer dans le pays d'Haïti, laver nous de temps en temps avec l'eau et le savon. Ouvrir bouche nous avec nous, nous tousser ou nous esterner. Évitez toucher gène, nen ak bouche nou. Évitez rentrer en contact ak moun nou ta suspect ki gen maladie sa. Si ou sot voyage, suivez temperati kor 2 fois par jour. Suivez si ou senti symptôme sa yo. An pou tous, yev, tête fait mal, ou fatigue, et puis si ou pa ka respirer pou kouri al nan centre santé ki pare pou sa. Pou tout urgence, il est ministère santé publique nan 43 43 33 33. Pa gen chita tann, c'est pare pou nou pare. Message ça, c'est l'association haïtienne Média en ligne, AHML, qui pote le pour nous.
Téléspectateurs internautes, j'en te annonce au lit, nous, dans l'émission ça, émission et qui servit d'échange de causerie entre AHML, l'Association haïtienne des médias en ligne, et ou même journaliste, mais ou même tout qui est consommateur de nouvelles, mais qui besoin qu'on ait, et qui méthode journaliste pour pratiquer pour jouer une bonne information, pour mener une enquête. Et aujourd'hui, je nous dis là, nous avons Jane Wigan comme professeur à l'université, professeur de journalisme d'investigation dans la faculté des sciences humaines, qui c'est une intervenante, mais nous avons avant Jane Wigan et Milo Milfort, et président directeur général de l'enquête action, journaliste, enquêteur qui est ensemble avec nous. Et Milo, bonjour, bonsoir et bienvenue. Et internaute, vous êtes content ou là dans l'échange le matin? Bonjour, bonsoir, Watson. Bonjour, bonsoir à tout auditeur, auditrice ou internaute, journaliste qui a regardé nous là. C'est un plaisir pour nous avoir pour te causer ça. Milo, on va aller d'abord sur la présentation de vous-même. Bon, moi-même, moi, c'est Milo Milfort. Moi, j'ai étudié communication sociale dans la faculté de sciences humaines. J'ai fait administration publique tout dans l'INAGE, sans compter mon étudié photographie. J'ai commencé dans le journalisme en 2011 dans Alter Press. De Alter Press, j'ai passé dans Haïti Calégé, qui était un consortium de médias, qui était Alter Press, Refraca, ensemble de radio communautaire. Et après, j'ai été journaliste indépendant, pour collaborer avec des médias haïtiens et étrangers, comme Maga Haïti, Haïti Liberté, Noticias et essayé en République Dominicaine et puis des médias américains. Et par la suite, en 2017, on a décidé de mettre sous pied un média qui est l'enquête action. On fait journalisme, on fait journalisme d'investigation, journalisme multimédia et un peu de photojournalisme. Mm-hmm. Vous parlez nous aujourd'hui de toutes tes méthodes pour mener enquête comme journaliste. Pour qui ça ou opter pour une forme de journalisme comme ça en Haïti? Il y a une raison qui explique pour qui ça m'a opté pour une forme de journalisme concernant Haïti. Une chose que j'ai fait depuis mon métier, j'ai remarqué une prédominance de journalisme d'actualité. Ça a eu lieu, journalisme de conférence de presse. J'ai remarqué que c'est comme si tout le monde a fait même bagaille. Et tout le monde a fait même bagaille. Une chose que j'ai fait encore, c'est que pas de qualité. Pas de qualité. Le public exige qualité, un ensemble de sujets qui ne sont pas traités, un ensemble de problématiques qui ne sont pas révélées. Moi, si je voulais sortir de tête, si je voulais émerger, si je voulais avoir un autre bourgade ou bien, porter un autre souffle à mes tiens, c'est faire ça, le journalisme d'investigation. Le journalisme d'investigation, c'est qui ça lié. Jusqu'à présent, pas de définition qui est exacte. Proposition de définition. Pour moi, journalisme d'investigation, c'est ça, le journalisme en profondeur ou bien journalisme critique. C'est une forme de journalisme qui allait au-delà de l'actualité, qui allait au-delà de discours officiels, de sortant des sorts. C'est une forme de journalisme qui remettait en question l'ensemble de pratiques sociales, de pratiques de gouvernement, de pratiques de différents acteurs et sociaux. Et son forme de journalisme qui, depuis quelques temps en Haïti, qui existait, qui n'existait pas dans le sens que c'est des efforts qui gagnent. Et Milo, nous parlons dans des cas pratiques, mais avant, bon moment, et au niveau de corporation journalisme, non, et yon pas nécessairement garder sous travail l'autre dans le sens au quotidien, mais tout le monde connaît comment tout le monde a frappé. Et mon bon message avant que nous rentrions dans les cas pratiques, et pour jeunes journalistes aujourd'hui qui comprennent que c'est aller vers information j'en ai dit et son source et vérifier avec une autre source et puis traiter texto et puis diffuser. Et pour aller à l'intention de jeunes journalistes qui regardent nous sur internet aujourd'hui et qui sont ou même ou capable de dire. Moi-même pour tout journaliste, jeune journaliste qui voulait pratiquer métier à l'autre gens qui voulait et ben métier en l'autre image, moi pensé et pas gagne ou pas boire, c'est faire journalisme d'investigation. Journalisme d'investigation il permet tout et pousser autorité à rendre des comptes. Parce qu'en Haïti et dans l'administration publique, il y a une culture de manque de transparence. La façon pour permettre, pour faire monde dans la politique, dans le secteur économique, rendre compte à la population, c'est ça. Et ça, pour ça, me dit tout. Parce que moi, j'étais quoi, public, là, qui est ça,
on doit pour connaître ça qu'a fait. Ça veut dire le droit de savoir. Pour bien de connaître qui ça qu'a dit, qui ça qu'a fait. Par exemple, même quand on contexte qu'on a, jusqu'à présent, nous avons 10 millions de dollars dépensés pour acheter matériel, mais jusqu'à présent, 18 millions de dollars. Mais pas des gens qui ont une idée de matériel. Il y a des briques à couilles, des matériels qui volaient, des briques qui disent c'est cadeau pour faire nous. Mais imaginons, dans un contexte crise comme ça, méritait qu'il y ait des reportages qui allaient au-delà de discours officiels, qui allaient au-delà de ça, nous avons pu dire dans le CIPC, mais pas rien vraiment. Donc, moi, je pense que jeunes journalistes, le meilleur c'est consacrer à faire un journalisme d'investigation. Même si on connaît en Haïti, il y a mystifié la question du journalisme d'investigation. On peut dire journalisme d'investigation, ouais, élan mort, ouais, gros dossier, fesco. Non! Moi, je pense que c'est où est l'argent? Oui, où est l'argent? Même si je connais le journalisme d'investigation, il m'a dit l'argent, il m'a dit temps, il m'a dit formation. Il m'a dit passion. Il m'a dit passion. Parce que passion, dans le sens que, imaginez, vous devez faire un an sur enquête. Si vous n'avez pas de patience, vous êtes faibli. Et si vous n'avez pas assez de moyens économiques, si vous n'avez pas assez de capacités intellectuelles, vous êtes faibli. Et Rakousse me dit tout, dans le secteur médiatique haïtien, même si globalement c'est un journalisme d'actualité, communiqué de presse, conférence de presse, mais un petit groupe tout petit qui a essayé de faire un travail qui est différent. Et un jeune journaliste, il est mieux pour lancer une dynamique, ça au lieu d'entrer dans la dynamique et aller dans la conférence de presse. Parce que moi, pour moi, l'avenir du journalisme, c'est le reportage, c'est l'investigation, c'est le journalisme en profondeur. Parce que sinon, le métier a tombé. Et nous, comme vous remarquez, au fur et à mesure, et a bien plus de journalistes, a bien plus de médias, mais bidonvillisation, ça n'a pas marché avec qualité. Comme si vous avez plus de médias, il a grandi. Il y a un jeune qui voulait rentrer dans le métier, qui voulait faire le métier à tout bon, c'est faire journalisme en profondeur. Ce n'est pas facile, mais la bonne aura, la bonne certaine visibilité. Parce que dès que vous entrez dans la logique, faites même bagarre à tout le monde, vous savez à tout le monde. Citoyens, citoyennes, on a virus à faire ravage dans un pilote pays. En Haïti, on doit la lancer. C'est pareil pour une parine pour virus la pas rentrer. Même si nous devons prendre 6 ans de qualité à rentrer dans le pays d'Haïti, laver nous de temps en temps avec l'eau et savon. Ouvrir bouche nous avec nous, nous tousser ou nous esterner. Éviter toucher gêne. Nen ak bouche nou. Évitez rentrer en contact ak moun nou ta suspect ki gen maladie sa. Si ou sot voyage, suivez temperati kor 2 fois par jour. Suivez si ou senti symptôme sa yo. An pou tous, yev, tête fait mal, ou fatigue, et puis si ou pa ka respirer pou kouri al nan centre santé ki pare pou sa. Pour tout urgence, il est ministère santé publique nan 43 43 33 33. Pa gen chita tann, c'est pare pou n'pare. Message ça, c'est Association Haïtienne Média en ligne, HML, qui pote pour nous. Téléspectateurs et internautes, nous retournons pour causer ça sur le journalisme d'investigation en temps de crise. Nous entendons coronavirus, nous entendons pandémie qui a frappé le monde, déjà des centaines de milliers de morts et des millions, plus de 5 millions de monde qui déjà contaminés avec coronavirus. Ça, son crise et pendant la crise, tout, et le journalisme qu'a pratiqué, le journalisme de tous les jours, information dans les médias. Mais tout, et nous croyons au niveau de l'Association haïtienne des médias en ligne, il faut que nous fassions enquête journalistique dans la période. Ça, c'est peut-être ça. Nous mettons sous plateau, je vous dis, deux gros journalistes, Milo Milfort pour la jeune génération, et puis Jane Wigan, qui est là ensemble avec nous pour nous parler de questions de journalisme d'investigation en temps de crise. Milo, bien avant, nous avons commencé dans cause de ça, nous avons parlé de. Et cité les jeunes journalistes à la pratique du journalisme et d'investigation. Mais quelles sont les entraves? Dans le pays de Haïti, faire journalisme d'investigation sont des choses compliquées et difficiles. Il y a plusieurs raisons qui expliquent ça. Première raison, c'est ça, moi, les difficultés d'accès à l'information. En Haïti, il est plus facile pour aller dans une conférence de presse ou jouer un communiqué de presse pour faire un reportage que ou jouer une information en chercher. Parce qu'en Haïti, surtout, le pouvoir politique et économique est plus croire dans la communication. La communication, c'est qui ça? C'est faire passer ça au vrai. Ça au vrai, on connaît, c'est lié au faire passer. Mais journaliste d'investigation, il y a au-delà du sauver, faire passer.
il y a au-delà de sordien, il y a au-delà de actualité. Et surtout dans l'administration publique, malgré qu'on un article dans la constitution qui fait obligation pour l'État bailler information, mais article ça pas respecté. Dans l'administration publique là, il est vraiment difficile pour jouer l'information. Donc moi-même à plusieurs reprises, il y a des reportages que m'a abandonné pour qui ça. Lors solliciter un monde mon endroit faut pas joindre aval directeur, l'élément de directeur, en plus fois yo et yo fatigo ou ba eva. Ou bien gon l'autre aspect dans question accès aux sources lancées. Mon gain impression dans média yo, chaque monde choisit qui média pour parler. Par exemple, nous so j'aime ta faire un reportage. Plus confortable là. Oui. Nous so j'aime ta faire un reportage, gain monde besoin plusieurs fois, j'ai besoin de mon nom, envoyer lettre, écrit, bah j'aime joindre. Chaque matin tu as mon nom dans radio. Elle dit mon nom choisit qui côté pour parler, qui côté information veut faire passer à faire passer, la passer. Et l'autre bagage qui est encore là. Mais là est-ce que confrère yo, consœur yo qui a interviewé là qui est joignable pour que l'autre côté les joignent. Est-ce que pas qu'il doit poser question pour yo dans interview yo, gain ça tout collaboration. Sorti en li possible mais en plus fois média ou gain agenda yo. Chaque média a une position yo. Chaque média a une façon yo wè sujet a. Et plus ouais moun sa yo a joindre média yo vle yo ki yo a joindre un groupe moun surtout par exemple sou di fond ou fait ou c'est tel journaliste ou fait telle qualité de travail. Il a visité website ou a regardé qui travaille fait. On ça m'a parlé avec. Ça arrive plusieurs fois. Donc c'est pour montrer difficulté d'accès à l'information. L'autre élément qui est fait et est difficile pour faire investigation en Haïti, c'est ça moi l'impunité. Il y a n'importe quel 6 journalistes qui mourent donc Jean-Léopold Dominique et Brignol et Brignol Lindor, Gassner Raymond, mais jusqu'à présent dossier était dans tiroir, pas jamais gain justice, pas jamais gain monde qui connaît qui est-ce qui touye. Donc ça vient rendre un peu le journaliste peur parce que des gars s'il mourit, c'est pour la patrie mourir. Or, il faut toujours apprendre moins. Il faut toujours là pour avoir l'information. Pour être en vie. C'est notre information pour avoir l'information. Oui. L'autre élément qui fait difficile pour faire investigation en Haïti, c'est ça, l'absence ou bien manque d'indépendance médias. Généralement, en Haïti, les médias ne sont pas indépendants. Même si vous entendez qu'il y a des associations, qu'il y a des médias qui sont indépendants, mais regardez qui est qui puisse parler dans les médias. Regardez qui publicité ou bien. Al gade ki jan ou trete informasyon. Men yo kap di ou nan ka kon sa, men lo ke media yo viv de publicite. Oui, ebe se yon nan bagay ki vin kompromet e realizasyon ou bien, ki vin nan mi son defi pou fè investigasyon. Pase, otomatikman, ou gen publicite tel akteur nan moun, nap difisil pou remete an kestyon akteur sa. E otomatikman, ou indépendance ou pa gen, e suivant pi fò jounalist, pi fò media etranje, kestyon indépendance ni important pil. Sou pas indépendant qui travaille pas foutu fait parce que automatiquement ou fait yo on perd publicité on perd les médias indépendants. Bon, rendre médias indépendants moi parce que moi pense en Haïti qu'on gain nécessité pour repenser modèle économique médias. Médias yo plus chita sous ça relé publicité. On l'a regardé presque pas de publicité. Pour jouer une publicité, c'est zamitaille, c'est forfond, c'est une compromis, pour faire ce débat. Nécessitant, c'est repenser le modèle économique. Par exemple, et les médias qui ont essayé d'organiser notre activité pour rentrer l'argent, faire et chercher des subventions. Les médias qui ont mouru tout dans la question de repenser le modèle économique médias. Et les médias, je veux dire, qui risquent de mourir dans le cas des médias et communautaires. Parce que dans le lieu que vous avez, c'est carburant. Et carburant excessivement cher, donc ils ont mouru parce que justement ils n'ont pas pris publicité parce que c'est communauté qui supportait l'action média ça. Et puis ils risquent de mourir, ils n'ont pas qu'à continuer. Non, absolument, c'est ça. Et c'est tout système médiatique haïtien qui a un problème économique. Et ça fait tout qu'il y a nécessité pour revoir le modèle économique. Sinon, dans 10 ans encore, il y a une équipe média, on ne peut pas attendre encore. L'autre raison qui fait difficile pour faire le journalisme d'investigation en Haïti, c'est ça, moi, un pile journaliste pas formé. Pas bon l'école de journalisme de standard en Haïti. T'es bon maîtrise qui disparaît. Puis fort journaliste qui de qualité aussi, soit aux sortes de sciences humaines, soit avec le temps, expérience, ou vingé un bagage. Donc, tout ça compromet et réalisation enquête. Et pour faire bonne enquête, qu'on bon base et académique pour gagner. Parce que imaginons un sujet complexe, réalité complexe, pour comprendre.
un élève qui fait retour bien 9e, c'est difficile pour l'aborder aspect ça. Et là regarder tout puis forme média plus penser yo ou yo tête yo dans monde qui pas formé et puis facile pour monde qui pas formé 10000 gouttes par mois. Et mon ça dit mon badjan dégage au bras avec et puis côté son pour moi. Et puis facile et média là me vient arriver dans l'autre aspect qui fait pas d'investigation journalistique, c'est manque d'intérêt patron média. Patron média pas intéressé à ça. Imaginons pour faire un reportage d'enquête, il demande 3, 4, 6 mois. Vous pensez, il y a un patron média ou un 2, 3 journalistes pour faire 6 mois par ou mettre rien. Ou puis faire un média haïtien. C'est l'enquête là, ça aussi. Oui. Puis faire un média haïtien qui exige 3 textes par jour, 3 textes par semaine. Yo, c'est un conseil factory de travail. Ou obligé bail yon bagay et yo même au sein de média yo en pile média qui concurrence qui moun ki bay plus article qui moun ki fait ça et chaque fois ouais journaliste plus facile fait ça relé fatra senior là tout oui et chaque fois ouais plus facile pour journaliste fait ça relé fatra qui c'est jetable et plus facile pour nèg on note de presse et publie un bagay au lieu pour nèg là pour un sujet tankou question et 18 millions de dollars américains. Pas jamais rien qui écrit sous lui. Pas de papier, on a dit 4 sources, gouvernement, ou bien chercher des documents. Pour réel là, jouer avec les fournisseurs là. Donc, pas gagné jusqu'à présent. Mais le plus facile pour aller dans la conférence de presse et puis il y a un son bagage, il y a un. Parce qu'il y a une obligation pour le fournir. Et pas trop mettre en place. Et dans tête, c'est que le journalisme s'arrête à cela. Le gouvernement a annoncé et puis voilà. Oui, c'est pratique métier en Haïti, c'est ça qui vient de sembler. C'est aller dans la conférence de presse, aller chercher notre de presse, aller. Et ça fait quoi en Haïti, tout journaliste a fait presque a fait même bagaille. Moi, je viens de faire mon pratique, je donne des nouvelles une seule fois dans la journée. Parce que tu as des nouvelles sur la radio, ça, tu as des sur ça, même monde, même français, même créole, rien n'y pas changé. Donc, vous imaginez. C'est ça que moi insisté tout à l'heure, il y a une nécessité pour faire l'autre bagaille. Et ça fait pour tout, là un journaliste décide de faire l'autre travail ou elle émerge. Les journalistes décident de faire des reportages qui allaient au-delà de son habitude, des sujets de société, des sujets économiques. Ouais, qui j'aime publiquement recevoir. Mais en question, pour qui ça, en dépit de l'explosion et médias sociaux et médias en ligne notamment, nous pas arrivé joindre et une orientation vers l'enquête au niveau journalisme. Ou une enquête action mais pas gain plus. Oui, pas gain orientation vers l'enquête mais gain enquête action, gain des journalistes qui essayer et font tout petit et ça fait me toujours dit journalisme d'enquête là d'exister à l'état embryonné en Haïti, c'est un petit bagage des efforts qu'a fait des gain éthique léger, gain enquête action et des journalistes qui parfois ou moins un sujet que vous pas habitué tendre et mais une raison qui fait li pas facile dans c'est compliqué li demande patience li demande temps li demande connaissances li plus facile pour moi et aller dans conférence de presse me prend bagarre me porter ba que me chita me fait 6 mois son reportage moi le bon exemple me songe me ta font reportage sur les transgenres en Haïti c'est ça relé et demoiselle yo ou bien en Haïti ou elle oui tololo mais imaginons me prendre un mois avant de arriver comprendre le sujet ou penser un journaliste a mettre toute énergie ça toute vigueur ça dans ça non c'est difficile on tout le monde partage ensemble avec internautes avec téléspectateurs qui suivent émission ça et enquête ça justement OK et un sujet sur le transgenre qui ça oui. Par exemple qui est intéressant dans ça okay. Pour nous faire enquête, yo, et nous utiliser ça ou les méthodes hypothèse qui c'est ou bon sujet ou essayer de jouer nos hypothèses qui sont en question répondre d'avance et puis ou pral essayer et justifier hypothèse dans ça qu'arrive pas justifier ça qu'arrive pas justifier et puis démarche nous entreprendre c'est qui ça nous gain sujet à nous faire hypothèse nous faire des recherches et puis nous élaborer un document qui sont plein. Il y a des questions fondamentales. Par exemple, moi-même, j'ai un plan de reportage qui a une semaine. Pas des médias qui ont bon journaliste, l'attitude ça. Je ne veux plus critiquer, moi qui dis, c'est même moi-même là. Non!
Et une raison qui fait public là qui approche ça, c'est que ces journalistes, fait public là habitué à l'actualité seulement et journal dit tel bagage, pas habitué public là avec un ensemble de problématiques sociales, un ensemble de sujets de société. Par exemple, moi, c'est ça que fait me choisir et spécialiser dans ça, moi, l'enquête sociale là. C'est fouiller des sujets, mon pas vraiment moyen faire des reportages sur et utilisation source pour partir monsieur Magui avec Togo et utile et je maman papa nous avons des reportages sur ça, nous avons des reportages sur produits monsieur utilisé pour agrandir. C'est un ensemble de sujets qui m'a demandé et l'aime garder en Haïti dans question sociale avec santé, gan pile reportage qui m'a dit fait, gan pile sujet comme si ça fait chaque jour mon pas comprendre. On va bon exemple et par exemple Bac Ténèb, moi même avec mon collègue qui dans enquête action a fait enquête sur Bac Ténèb. Vous connaissez pile mon pas comprendre symbolisme Bac Ténèb là. Je pense que son pratique comme ça. Pourtant son pratique qui gagne une histoire qui commence quelque temps qui gagne des valeurs charriées. Bac Ténèb par exemple dans tant longtemps sous Duvalier. C'est à et de bout de Bac Ténèb par une manifestation après qui est où le compresseur. Par contre ça Bac Ténèb sont pratiques qui commençaient sous et Daniel Fignolet, le Daniel Fignolet a goumé. Par contre ça Bac Ténèb tout sont pratiques qu'on utilisait dans la religion catholique et vendredi saint et dimanche Pâques parce que vous voulez symboliser comme victoire sur la mort. Mais mon par contre vous imaginez on le mystique tout, non dit qu'on aspect mystique dans le sens que sous Bac Ténèb derrière un monde dans mal qu'arrivé mais les plus dans contexte sociopolitique haïtien les plus sont outils utilisés oui de mobilisation dans soulèvement populaire qui joue un gros rôle à tel point que il y a plusieurs présidents au Bac Ténèb derrière il y a les mettez Bac Ténèb de Duvalier là les Bac Ténèb de et Matéli bon même s'il était dit fin faire mandat il pas fin faire vraiment Aristide allé deux fois donc c'est un ensemble de sujets qui m'ont aidé pour... Il y a pas tant pile de jeunes. Oui. Même s'il parlait, mais ouais, j'ai ça marché. C'est une façon pour montrer qu'il y a pile de sujets, qu'il y a pile de reportages qui a fait. On va retourner sur ça. Et Milo Milfort, qui est ensemble avec nous dans l'enquête action, on va observer en deuxième pause. Et au retour, on va conclure avec Milo Milfort sur et pertinence sujet n'a joindre dans pays pendant période ça il commence notamment parler de certains sujets n'a rappelons que c'est association haïtienne des médias en ligne qui porte causerie ça pour moi même Godson Lubrun ensemble avec Milo Milfort ensemble avec Jane Wigan nous là pour nous essayer parler de journalisme d'investigation en temps de crise n'a prend petite pause et puis n'a retourner et là retourner n'a retourner avec Milo avant que nous fait place avec Jane et puis pour nous conclure et échanger ça causerie ça sous journalisme d'investigation en temps de crise. Citoyens, citoyennes, coronavirus a fait ravage dans un pile l'autre pays. En Haïti, on doit la lancer. C'est paré pour une parine pour le virus la pas rentrer. Même si nous devons prendre 6 ans car il est rentré dans le pays d'Haïti. Laver mais nous de temps en temps avec l'eau et savon. Ouvrir bouche nous avec nous n'a pas toussé ou n'a pas esterné. Éviter toucher gêne, nain avec bouche nous. Éviter rentrer en contact avec nous ta suspect qui a maladie ça. Si vous souhaitez voyager, si vous avez température deux fois par jour, si vous sentez symptômes, ça y est, pour tous, yev, tête fait mal, vous fatigue, et puis si vous n'avez pas respirer pour courir à un centre de santé qui paraît pour ça. Pour toute urgence, il est ministère de la Santé publique dans 43-43-33-33. Pas de chute à attendre, c'est pareil pour nous parler. Message ça, c'est l'association haïtienne Média en ligne, HML, qui porte pour nous. Dans toute excuse, ça. Il y a une nécessité pour les journalistes de redoubler leurs efforts pour continuer à informer la population, pour continuer à sensibiliser et puis faire connaître ce qui impacte les encadrés sur eux. L'autre chose qui est intéressant, pendant que les journalistes soient informés, il faut même les protéger tête. Parce que dans un contexte qui est difficile comme ça, il est plus facile pour ne pas qu'à informer que qu'à informer à un moment donné. Et ça fait un peu le média ouais qui tellement pas prend précaution des médias qui des maladies des journalistes qui ont fermé donc journalistes ont l'impression y a sensibiliser monde mais ont pas sensibilisé
y a informé ou ne pas informé. Bon, pour finir, moi pense dans le contexte Covid là, il y a nécessité pour bon l'autre type de journalisme, bon pour renforcement journalisme d'investigation. Pour journalistes yo, baite yo chance ou bien latitude faire des sujets, traiter des reportages qui allaient au-delà de et conférences de presse, de communiqués de presse, de faire deux trois appels. Il y a un peu de sujets importants qui méritent. Par exemple, un dernier sujet, je pense, c'est pour qui ça, dans tout pays, c'est médecin qui prend maladie en dernier. Pourtant, en Haïti, il fait partie des premiers mondes qui prennent. Et pas grand qu'un reportage qui allait dans l'hôpital, nous parler à médecin, regarder qui j'ai condition pour expliquer la situation. Ça. Donc, j'aime dire là, il y a une grosse nécessité pour faire travailler dans l'autre gens, pour pratiquer le métier dans l'autre gens, pour informer mon union dans l'autre gens. Merci beaucoup, Milo. Nous, et toujours dans le contexte et échange ça, et au cause de ça, téléspectateurs et internautes, nous avons parlé sur le journalisme d'investigation en temps de crise. Kounia, nous avons privé Jane Wigan, professeur à l'université, professeur de journalisme d'investigation en direct des États-Unis d'Amérique, qui a fait intervention par là. Bonjour, bon après-midi, bonsoir tout le monde qui est dans l'association. Merci beaucoup le fait que nous invitons à intervenir pour nous. Malheureusement, je ne suis pas en Haïti. Je suis venu en Haïti et travaille côte à côte avec nous, mais je ne connais pas un avion. Alors, moi ici. Avant de avancer sur ce sujet, je voudrais féliciter tout le monde qui retient un métier journalisme. Journalisme, c'est un métier qui n'est pas facile. Et côté nous, je dis nous parce que moi, je suis journaliste, nous pas touché bien. Et puis à la fois, tout, nous avons pour couvrir des choses qui sont difficiles, qui carasent tout, nous avons pour nous interagir. C'est pas un mot en créole. Nous gagnons pour nous traiter avec monde qui peuvent parler avec nous, ou soit institutions qui peuvent donner nous informations. Tout ça qui a découragé nous. Alors, si nous toujours là, eh ben moi déjà félicité nous le fait que nous retenons un métier et nous croyons que information et fouillaison à calalo, bon genre information et clarification et transparence. Capable contribuer à créer qu'a contribuer dans la création takadi dans la création un monde qui plus juste et qui gagne plus justice sociale qui gagne respect pour tout le monde et qui gagne un meilleur monde. Moi, relais Jane Regan, moi j'ai un peu d'expérience en Haïti et puis tout moi j'ai un peu d'expérience à travers le monde comme journaliste et puis tout comme professeur de journalisme. Et peut-être vous connaissez ou soit vous entendez parler de Haïti Calégé, en anglais Haiti Grassroots Watch. Moi, je ne connais pas si la bibliothèque est ouverte, je pense que c'est le fait qu'elle n'est pas ouverte, mais peut-être la Pléiade est toujours ouverte, ou qu'elle joue toute investigation, il y a un livre qu'il faut qu'elle publie tout, qui paraît comme ça. Et dans la Pléiade, etc. Mais si vous voulez, I'll check l'investigation en ligne, c'est HaitiGrassrootsWatch.com et puis vous pouvez le en ligne. Bon, Godson relais atelier ça, journalisme d'investigation en temps de crise, mais moi pense que c'est important pour nous dire que le monde et puis pays d'Haïti et pays États-Unis, bon, tout pays capitalistes, ils sont en crise depuis longtemps. Parce que le capitalisme comme système économique, il est en crise. En fait, c'est un système qui crée une crise, qui n'est pas jamais stable. Une des plus grosses crises dernièrement, c'est dans l'année 70. Bon, c'est ça qui était une raison qu'on a une époque capitaliste qu'on relève néolibéraliste. Il y a plusieurs caractéristiques et nous n'avons pas le temps de parler sur ça aujourd'hui. Mais on peut voir que la phase capitalisme, ça, néolibéraliste, une des caractéristiques, c'est que l'État n'a pas occupé le peuple. Et puis on peut voir que ça lié avec la cause structurelle qui fait virus là fait tellement de dégâts dans le pays côté système sanitaire, pas occupé le peuple. Une autre bagaille, capitalisme, ça, by nous. C'est une crise environnementale.
en fait destruction environnement lié avec maladie gain virus yo tant que virus ça qui a attaqué nous toutes comme espèce dans tout pays yo gain virus qui t'a supposé rester na jungle na autres animaux lio yo échappé et yo jambé pour arriver dans espèce humaine. Gen plusieurs articles ou kali sou sa en ligne, par exemple article sa qui était dans Le Monde Diplomatique na mois mars, ou soit aller na site Greenpeace ou ka wè au moins un texte qui a expliqué aux connexions qui gagne entre capitalisme comme système économique qui a exploité tout bagay, ak destruction environnement, ak virus nouvel sa yo qui a sorti na lot espèce et puis vin jambe na espèce humaine. Ça, c'est un résultat système capitaliste rapace tout. Mais ça, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Le sujet, c'est journalisme d'investigation dans le temps de crise. OK. Journalisme d'investigation, qui ça y est? Un peu de monde qui a pensé que c'est un bagage qui demande travail en bachal, qui demande chercher papier que personne pas gagné qui mande ou gen un ami na DGI qui a ba au papier qui pour montrer un tel papier taxe ou bien un tel a volé cob. Oui, ça c'est journalisme investigation, mais en fait tout journalisme ta doué journalisme investigation. Ça veut dire nous ta supposé fait investigation tout chaque fois nous fait journaliste. On dit moi al na une conférence pour la presse. On dit président Moïse Jean-Mont, Jean-Yorel, il dit un bagay. Par exemple, il dit qu'il y a un bateau qui a venu avec 500 000 masques et tout masque ça y est pour arriver dans l'hôpital. OK. Ou là, ou là, écrit. Ou pour un note, peut-être, ou enregistrer avec appareil. Ou pourquoi fait journalisme? Ça va faire là, c'est tant que notaire public ou soit greffier. Ou pour un note. Mais on peut confirmer ça le dit. Premièrement, est-ce qu'il y a 500 000 masques qui sont venus? Oui ou non? Deuxièmement, qui côté est pour aller? Est-ce que vraiment vrai pour arriver côté le président dit? Troisièmement, c'est un bagage qui pas même évident au départ, mais qui est-ce qui a payé le masque ça y est? Quatrièmement, est-ce qu'il y a 600 masques qui sont venus? Et 500 ailleurs pour arriver dans l'hôpital. Et on l'autre 100 que capitaine bateau pour vendre. M'pas dit li possible pour faire toute vérification ça chaque fois. Mais où t'as supposé toujours gagner à tête question ça yo. Est-ce que ça m'attendait à? Est-ce que m'ka confirmer avec on l'autre source? Ou soit, est-ce que je commande le gouvernement pour papier? Est-ce que je commande le gouvernement, peut-être, qui serait le secrétaire de la presse, ou bien, en anglais, c'est press secretary, je connais, directeur communication. Est-ce que je commande le papier qui gagne non bateau, qui gagne leur bateau arrivé? On dit, ou travaille pour une télévision. L'important pour qu'on ait qui leur bateau arrivé, parce que ça tape une bonne image pour le programme Nouvelle-Lou. Où est bateau arrivé, konya, gros porte la louvri, camion sorti, yon gen masque la dan, ça pral aide infirmière, docteur, ça pral aide tout le monde kap goumé contre virus la. Alors, li tout normal pour ou mande non bateau, leur bateau arrivé, ou mande permission pour aller sur wharf la. Depuis ou commence jouen réponse négative, ah, nous pa gen non bateau, soit nous pa konna ki leur lab vini, soit non ou pa gen permission aller na wharf la. Qui ça pour dire, dit, pas de problème. Ça veut dire que les médias pas moyen pour dire que nous pas de cas confirmer, nous pas de nous permission, alors nous pas connaître si c'est vrai. C'est nous-mêmes comme journalistes, c'est nous-mêmes qui souterrain, qui gagne responsabilité, fait vérification, même si nous pas jouer un bon nom. Parce que c'est encore une équipe de football, nous y est. Faut nous pousser, et si tout le monde a poussé pour jouer une vérification, nous pral jouer plus d'informations, nous pral jouer un petit crash plus de transparence, et nous pral fait, et ça, là, on a fait bon genre journalisme.
Alors, pour répéter samedi plus ou moins déjà, qui ça journalisme investigation ailleurs, c'est bon journaliste. Un bon journaliste pour demander pour qui ça. Un journaliste qui fait bon travail pour demander qui gens, il peut faire vérification. Il peut chercher contexte avec l'histoire qui est nécessaire pour le lecteur qui comprendre. Il peut soutenir si possible. Il n'a jamais accepté rien comme la vérité jusqu'à la confirmer. Il peut exposer un bagage devant le public, ça le public ne l'a pas connu. Il est capable d'un bagage qui est négatif, il est positif tout. Et si possible, il faut avoir 3 sources pour chaque histoire qu'on fait. Mais ça dépend des rédacteurs ou ça dépend des situations en tout. Mais là, il y a plusieurs sources, ça veut dire qu'il y a une manière pour faire vérification. Mais quelques citations qui sortent dans un manuel pour journaliste d'investigation, je prends pas au lien qui côté au cas joindre. J'aime dire, le journalisme d'investigation n'est rien d'autre que le bon journalisme. Bon, on peut excuser un mauvais accent, moi. Je n'ai pas besoin de lire toute la citation, ça, yo, ou même de mettre checker ça dans le manuel, sauf les télécharger. Mais m'a ajouté une bagaille qui m'a mis en bas. C'est que un pile fois c'est travail en équipe parce que wap fait un pile bon travail wap checke une app checke travail l'autre et puis les plus sûr sou vraiment gain intérêt dans sujet a et puis sou voulez apprendre tout quelque technique avec stratégie ou met télécharger manuel de journalisme d'investigation qui sorti dans une association journaliste africaine ou abjoin chapitre dans lien ça. Alors, m'ap kitel nan ekran pou ou kapab ekril. fairreporters.wordpress.com /ej-manuals/. C'est l'étape intéressante pour nous garder. Un exemple, journaliste investigation, qui en fait, c'est 3 articles séparés et ensemble avec une vidéo sur un sujet qui lié avec santé publique. Alors, c'est, nous avons fait un travail sur choléra. C'était moi-même qui t'ai travaillé avec une ancienne étudiante, moi. Et puis, nous voulons connaître plus sur choléra et parler plus sur choléra. Nous-mêmes, ce n'est pas nous qui découvrons que ces soldats des Nations Unies qui viennent avec maladie ça et à cause des gens qui ont mal géré, en fait, déchets, bon, d'accord, des poupouillots. J'ai eu mal géré ça, c'est comme ça qu'il arrivait infecter tout pays éventuellement et tuer au moins 10 000 monde, mais probablement un peu plus. Ça, t'es déjà connu, mais pour nous-mêmes, ça pas fouiller ça dans le calalou assez. Ça pas expliquer pour qui ça, choléra, l'arrivée, t'es venu envahir tout pays rapidement comme ça. Et ça pas expliquer tout pour qui ça. Soldats ont fait ça avec déchets. Ils ont jeté dans la rivière. Article qui était sorti dans Associated Press avec l'autre journal international et national, tu parlais plus sur les faits sans chercher derrière les faits, sans chercher contexte, sans demander pour qui ça. Et puis tout, et ça, c'est un bagage important que j'ai oublié de dire. Sans garder questions structurelles. Yo. Contexte structurel, cause structurelle, ça qui gagne dans le pays, ou soit dans la problématique là, qui a existé avant. J'aime t'expliquer, capitalisme responsable pour le virus qui frappe nous tous. C'est système capitaliste qui c'est un système économique qui base tout à l'exploitation. Et il y a une bagaille qui est importante pour capitalisme, c'est toujours fait de plus en plus profit. Qui ça veut dire par rapport à l'environnement? Ça veut dire que l'environnement, un pile fois, il y a détruit nous-mêmes, pas moi-même, non? Mais l'autre monde, industrie, agro-industrie, gros industrie qui a planté pieds bois pour l'huile palme, par exemple, ou soit industrie l'or, l'a détruit l'environnement pour exploiter, pour faire cob. Et yo pas gardé cause yo pas gardé qui résultat ça prabay moun ki ret nan zone la ça prabay homo sapiens ça prabay espèce nous ça prabay de loa ça prabay ki tout
qui tout le dégât ça a créé. Ok, so, cause structurelle yo, question structurelle importante en pile. Alors, m'a montré nous quelques morceaux dans l'investigation nous t'ai fait sur choléra, ou qu'a gardé le pitar en ligne, ou soit dans le livre là, tout. Alors, l'été relé derrière l'épidémie du choléra, et puis l'été dans plusieurs langues. Dans l'introduction, nous t'ai parlé de ça qui t'est connu déjà, j'aime dire, le nouvel. Mais sans approfondissement. Après ça, nous diviser problématique dans trois articles et puis montrer le problème de l'eau. Vous pouvez facilement lire l'article ça en ligne, s'il vous plaît. Et les ontigeants longs, moi admettre ça, les ontigeants ras. Mais les baser sur rapport qui est disponible en ligne, les baser sur documents qui étaient déjà là en créole, ou soit en français. Et puis, nous t'es obligé faire reportage sous terrain. Et puis, tout, nous t'es obligé faire interview avec une ou deux mondes d'INEPA. Bon, à l'époque, c'était CAMEP. Mais ce n'est pas un travail en bachal, nous t'avons fait. Ça t'est basé sur données qui étaient déjà là. Mais en fait, ça t'a demandé un petit travail à lire le rapport et après ça, parler avec les gens qui sont dans l'ONG, qui sont dans le comité local sur la question de l'eau, qui sont dans l'INEPA au niveau national. Tout le monde te voulait parler avec nous. C'est vrai, les gens sont difficiles pour joindre le monde parfois, ou soit ils sont méfiants, ils ne sont pas connus médias. C'est pour ça, d'ailleurs, c'est une raison intéressante pour travailler en équipe. Si vous dites, vous représentez, je prends comme exemple, Milo Milfort, ami, ancien étudiant, moi, il y a enquête action. Ok, peut-être tout le monde entendait parler de ça, mais peut-être pas. Si vous dites, vous travaillez, ou fait un reportage qui prend une enquête action avec Alter Press, avec Alter Radio. Ou déjà, il y a plus force. Alors, moi, je ne peux pas dire que c'est toujours facile pour convaincre les gens de parler avec vous, mais vous pouvez étonner le way que les gens qui sont dans le gouvernement, qui sont dans le secteur privé, qui sont dans l'ONG, qui, une fois que vous avez confiance en vous, et j'aime dire, si vous avez une équipe, si vous travaillez, soit fait un bagage pour plusieurs médias à la fois, ça peut aider. Une fois que yo décidé, ok, il a accepté ouais avec ou soit parler avec un téléphone, ou parler étonné parce que un peu le monde voulait parler sur problème que yo même y a travaillé sur yo. Yo voulait parler sur problème structurel qui vient à pays, défi structurel. Parce que c'est défi structurel yo qui fait que par exemple, choléra, tuer et quantité de monde tué. Ou bien, qui COVID pral tuer quantité de monde qui probablement l'a tué en Haïti. D'ailleurs, aux États-Unis, quantité de monde, soit pourcentage de monde tué aux États-Unis, un pile plus passé quantité, ou soit pourcentage de population à tué dans Corée du Sud. Nous ne pouvons pas parler de ça, mais c'est à cause structurelle. Il y a à voir avec le système sanitaire, pas nous. Il y a à voir avec le gouvernement, pas nous. Ça le fait, ça le pas fait, les virus arrivent. Il y a à voir avec le système fédéral, nous gagnons. Nous gagnons un État central, mais tout nous gagnons 50 l'État. Il y a tout à voir avec le système sanitaire qui est moins bon pour les gens qui sont pauvres et pour les gens qui sont africains-américains. Et c'est eux qui ont mouru plus. Passer les gens qui sont privilégiés. Alors, tout ça, c'est cause structurelle. Ou pour avoir que les gens veulent parler sur ça. Alors, c'est journalisme investigation. Parce que vous cherchez à connaître plus, vous cherchez cause structurelle. Kounia en parlait sur quelques outils qui gagnent pour nous en ligne. Moi, je suggère à tout le monde de checker Global Investigative Journalism Network. Yo gen un bon outil qui en français, yo gen lien, yo gen conseil, yo gen vidéo, ou ka gade tout. Vous entendez tous bien, je suis très heureuse d'animer ce second webinaire pour la région francophone en français de GIGN. Pour faire ça plus facile pour moi, créer des liens courts pour nous, côté ou ka joindre deux pages dans ce site là qui est intéressant, c'est link. Tirez en bas JR et JR2.
Après ça, il y a l'autre site que moi suppose tout le monde connaît, qui c'est le site OCHA, humanitarianresponse.info/fr/operations/Haiti. Ligan est un pile ressource qui est intéressant. Par exemple, Cartsa lui montre qui est dans le système sanitaire cap travail qui côté. Et wapwe tout non tout ONG na ki département yoye na ki ville yoye ça a super intéressant et ça a pas un pile piste gon l'autre bagage sous site là yo annoncé rencontre qui gagne m'pensais que li tap intéressant pour mande aller na rencontre ça yo pour tande planification en personne. Finalement, sur le même site, là, WAP joue un lien pour arriver dans le rapport MSPP. Je connais que IT Libre soit l'autre organisation qu'on relaye les détails, mais pour qui ça ou pas, on checker le rapport nous-mêmes. Encore, ça prend bien nous l'idée pour diverses qualités de reportage nous avons fait. Et l'âge de l'âge qui a mouru, qui côté de l'âge a arrêté. Moi pas vraiment gain plus temps aujourd'hui. Moi souhaite que toute suggestion avec toute information que moi bail nous pour aider nous. Moi gain 2-3 bail pour dire en plus oui. Moi pensais que pour joindre l'idée sur qui qualité reportage ou soit qui sujet pour faire. Moi pensais l'état intéressant pour nous garder reportage qui fait dans l'autre pays. Et bon, si c'est français seulement ou les garder pays francophone qui qualité reportage qui ang qui reportage local qui bagaille fait par exemple profil sous individu sous infirmière sous docteur ou soit sous quelle l'autre langue garder pays Amérique latine ou soit garder États-Unis. Gen un pire reportage qui gagne pour faire sous prison. Moun qui n'a prison, yo pral mourir si virus l'arrive et pas gen bon quarantine qu'a fait immédiatement. Même bagay pour moun qui ferme, par exemple, grand moun qui n'a pas songé ça, yo relè kay maison de retraite, par exemple. Aux États-Unis, à part moun qui pas privilégié, moun qui. Au monde qui noir américain, c'est grand monde qui ferme et qui mourit plus. Alors, c'est qualité reportage ça, nous pas obligé tant de monde mourir pour faire un reportage comme ça. Ou t'as qu'à faire un reportage sous maison de retraite qui gagne un pays privé, probablement y'a qu'à un petit genre méfiant, y'a qu'à pas quitter ou entrer, même bagaille fait ici. Mais sur public, yo, même si vous n'avez pas entré, et peut-être d'ailleurs, peut-être pas, vous voulez entrer. Mais moi pensais que vous avez au moins fait un article de profil. Qui côté maison de retraite? Yo, qui quantité de monde qui nous gagne la maison de retraite? Yo, qui ça gouvernement avec organisation non gouvernementale, avec business qui gagne maison ça? Yo, qui ça y a fait pour assurer que le virus n'a pas entré? Ou soit, qui mesure vous pouvez prendre les. Aussi, elle est virus la entrée. Gardez reportage qui fait dans l'autre pays et vous joignez l'idée et un pour faire. Oubliez porter un masque tout le temps. Le masque n'a pas vraiment à protéger, mais la protéger l'autre monde. Parce que nous ne connaissons pas qui est qui gagne virus là et qui est qui n'a pas gagné. Il dit 40% de monde qui gagne virus là et qui taka par l'autre monde, il n'a pas connu, il n'a pas de symptômes. Il n'y a pas semblé au malade. Par exemple, moi pas connais si j'étais malade déjà, pas connais. Alors moi porte ça chaque fois moi sorti. Sous utiliser un masque ou nettoyer régulièrement et pour café propre masque. Moi même moi coudli à main parce que me pas et puis m'utiliser bagage élastique. Si utiliser un masque, sous laver main tout temps religieusement, religieusement. C'est pas même créole. Sous laver mains, sous porter masque et sous prendre précaution pour pas trop près l'autre monde ou pas prendre li. So, et ou pas bailler. Mais ou ka fait bon reportage, ou ka mettre micro, on dit ou utiliser un bail comme ça comme micro. Utiliser tape, utiliser scotch tape. Mettel sur m'pa connait un bout de bois
et puis ou ka campé loin et puis ou ka fait reportage. Alors ou ka fait journalisme pendant COVID, ou pral fait journalisme pendant COVID, ou pral fait bon journalisme investigation, moi souhaite que ou fait Godson connaît tout travail nous fait après ça, ou soit ou fait me connaît tout. Ou ap joine email moi en ligne et moi était trop content ouais avec nous, même si m'pa ouais avec nous aujourd'hui. Et bien moi souhaite bon travail et bon chance. Et pas oublier, et toujours chercher cause structurelle, et qu'en BFM. Auditeurs internautes, téléspectateurs, téléspectatrices, son plaisir vraiment pour nous être ensemble avec vous, Association haïtienne des médias en ligne, nous te pote baou, gros cause ça sous journalisme d'investigation en temps de crise. Moi-même, c'est Godson Lubrun, moi rassurons que tout pendant la pandémie coronavirus, là, gain Association haïtienne des médias en ligne, qui a pote baou, l'autre sujet, l'autre débat, pour journalistes, mais pour toute presse là, globalement, presse en ligne, de, précisément, et on presse en ligne responsable, c'est ça, AHML, et proposé. Nous content parce que tu as suivi ensemble avec nous. Nous remercions Milo Milford qui était ensemble avec nous dans l'enquête action, journaliste, et Jen Wigan, professeur à l'université, professeur de journaliste, qui était ensemble avec nous dans l'échange ça. Nous remercions tous, amis nous, Wessner qui était fait aider nous dans la réalisation et live ça. Sous et journalisme d'investigation dans le temps de crise, moi-même, Godson Lubrun m'a joint avec nous prochainement.